C'est à la demande du délégué de la Ligue nationale de football que s'est tenue cette réunion présidée par le gouverneur de province. Jacques Ablakatou avait à ses côtés la commissaire provinciale en charge des sports, Leila Katebe. La Ligue Foot est venue solliciter l'accompagnement de l'autorité provinciale pour que la mesure interdisant l'accès du public au stade soit respectée lors du derby louchois de ce dimanche 28 février 2021. L'autorité a prêté oreille à notre demande. Il a donné des instructions strictes et fermes, n'est-ce pas, à la police nationale et à toutes les parties pour que le match s'organise dans un esprit de fair play. La réunion a mis autour d'une même table le secrétaire de Saint-Eloi-Loupopo, celui de Mazembe, de la Ligue Foot ainsi que la police nationale congolaise. Le gouverneur a promis un dispositif sécuritaire à la hauteur de l'événement, d'où cet appel à l'ordre de secrétaire des deux clubs. Il nous a appelé pour nous dire qu'un match dure 90 minutes et après le match, nous rentrons calmement à la maison. Nous restons des amis comme tous les jours. Les fans de Loupopo rentrent à la maison après le match. Mon message. Nous disons à tous les fans de Tout-Puissant Mazembe qu'il n'y aura pas de public au stade Kibasa de la commune du Kenya. Vous suivrez le match à la télévision à partir de la maison. Tout se passera bien. Loupopo contre Mazembe, le match est prévu pour ce dimanche 28 février 2021 au stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya au coup de 15h30.